Welcome to Trader House. Comment ça va, les sans-détours? Hey, la marde! Alors, aujourd'hui, nous sommes à la gare du Palais à Québec. On est à la gare, on va prendre le train? Non, Pancho, ce soir, on va coucher ici. Hein? On va coucher à la gare, comme de vulgaires sans-abri? Eh oui! Ben voyons donc! La gare du Palais a été construite en 1915 par le Canadien Pacifique et ensuite elle fut la propriété du Canadien National. Et maintenant, c'est la gare de Villerail. Les matériaux utilisés dans la construction de la gare comprennent du granit d'Argenteuil, de la brique Citadelle et de la pierre calcaire de Deschambault, une ville pas très loin de Québec ici. Et elle a un toit en cuivre, pareil comme le château de Frontenac. Alors, quand on entre dans la gare du Palais, premièrement, c'est un très bel espace. Et quand on lève les yeux au ciel, on voit un énorme vitrail qui représente les Amériques. Je suis désolée, il y a une toile au-dessus parce qu'il y a des rénovations. Certains prétendent qu'il a été installé à l'envers. Mais en fait, je pense que si la lumière traversait le vitrail et que le motif s'imprimait en lumière sur le plancher, l'image serait en fait à l'endroit. Mais comme il n'y a pas beaucoup de lumière qui arrive de cet angle et que le plancher est très foncé, c'est très rare qu'on arrive à voir le design. Donc, la plupart des gens, quand ils regardent en haut, ils se disent qu'il a été installé à l'envers. Et ici, près de la sortie, on trouve les armoiries des quatre peuples fondateurs de la ville de Québec, c'est-à-dire les Français avec le fleur-de-lys, les Britanniques avec la rose Tudor, les Irlandais avec le trèfle et les Écossais avec le chardon. Et on retrouve encore des influences de ces quatre peuples fondateurs dans la ville de Québec. Les Français, c'est nous. Il y a énormément de pubs irlandais et écossais dans la ville. Puis les Anglais, ils sont partout. Alors, bienvenue au loft de la gare. Je vais vous faire faire le tour du propriétaire. Nous avons une entrée à 10 jupons ici. Il y a trois lofts. 1, 2, 3. Porte-manteau ici dans l'entrée. Un style très industriel, moderne loft. Sink sprayer, un petit clin d'œil à notre ami Cash Jordan. Je ne sais pas s'il écoute mes vidéos, mais un petit clin d'œil quand même. La cuisine est quand même très spacieuse. C'est un appartement pour une famille. Il y a trois lits. Pour une personne seule, c'est très grand. Vous demandez pourquoi j'ai pris un appartement avec deux chambres et trois lits. C'était le dernier qui restait. Les deux autres étaient déjà loués. Et je voulais vraiment avoir ma staycation ici dans la gare. Ici, nous avons la chambre des maîtres. Ici, on a
le salon, vous remarquez exactement les mêmes finitions que dans la gare, les mêmes lampes, les mêmes arches, la même brique et la même pierre. Donc, c'est ça qui rend le séjour agréable, c'est qu'on est dans la gare. On a l'impression vraiment d'habiter à la gare. Et c'est pour ça que j'ai loué cet appartement. Ça peut paraître incompréhensible pour certains, mais si vous êtes un amateur de train, je suis sûre que vous comprenez. Le salon. Et ici, nous avons notre terrasse privée, semi-privée. C'est sûr qu'on est à la vue, on est au premier étage. Quand j'ai loué, je pensais qu'on serait au deuxième étage. Mais bon, c'est pas grave. Alors, tu vois, il y a un autre loft ici. Ça, c'est leur terrasse. Et il y en a un autre là. C'est moi qui ai sorti ça. C'est cool d'avoir un espace extérieur. Et ici, on a la salle de bain. Toujours dans le même esprit industriel, dark. La seule chose qui manque à cette salle de bain, c'est un bain. Malheureusement, il n'y a pas de bain. Alors, normalement, je n'aurais jamais loué un Airbnb qui n'a pas de bain. C'est un deal breaker pour moi. Mais il y avait deux critères qui ont fait pencher la balance. Le fait que c'était à l'intérieur de la gare, je voulais faire un bain clean staycation. Et aussi le fait qu'il y avait la terrasse extérieure. Encore une fois, ça fait un peu steampunk. Style. On est dans l'esthétique d'une gare de train. Et ici, nous avons la toilette pour humain. Et ici, nous avons la toilette pour Monsieur Mary, qui n'est pas encore arrivé. C'est sa litière pour chat portative que j'amène maintenant en voyage. C'est très pratique. On a pu la tester lors de notre voyage à Montréal. Et ça marche super bien. C'est disponible sur Amazon et je mettrai le lien en barre d'infos. Ici, nous avons une deuxième chambre à coucher avec des lits superposés. Donc, il y a trois lits ici. Un, deux, trois. Ça peut coucher quatre personnes et même quelqu'un d'autre pourrait coucher sur le divan. Mais il n'y a que nous, il n'y a que moi. Et je trouve ça cool parce que ça encore, c'est dans l'esthétique du train. Dans les trains, il y a des bunk beds comme ça. Et moi, d'habitude, je dors toujours dans un de ces bunk beds. Sur les trains de Via Rail qui font la liaison entre Toronto et Vancouver, bon, tu peux décider de ne pas te payer un lit et tu dors dans un siège régulier. Ça s'appelle coach. Tu peux te payer une cabine, donc c'est comme une petite chambre privée avec une porte qui ferme et tout, et même une douche à l'intérieur. Ou, ce que je préfère personnellement, c'est de réserver un bunk bed. Et pour 6 bunk beds, il y a une douche. Alors, tu as accès à une douche, à une salle de bain. Tu as 6 autres personnes qui partagent ton espace. Tu as ton bunk à toi tout seul. Et c'est quand même assez spacieux. Et moi, je conseille toujours de prendre le lit du bas parce que le lit du bas, c'est lui qui a la fenêtre et ça brasse beaucoup moins qu'en haut. Alors, ces bunk beds-là, ils ressemblent drôlement à ceux qu'on peut retrouver sur le train. Ils sont un petit peu plus grands. Et oui, on monte dans une échelle. Et maintenant, j'aimerais expliquer pourquoi je n'ai pas amené Mary dès la première journée. On va passer 3 jours ici. Et pourquoi j'ai pas amené Mary le premier soir? Je ne suis pas certaine si cet appartement est pet-friendly ou pas. Je vous mets en garde, c'est un big no-no, ne faites pas ce que j'ai fait. Habituellement, quand je voyage avec mon chat et que j'habite dans des Airbnb ou dans des endroits loués, soit par le biais de petites annonces, par Booking.com, Airbnb ou quoi que ce soit, je m'informe toujours à l'avance et même si c'est écrit pet-friendly, je les avertis que j'ai un chat et je demande si c'est OK d'amener mon chat parce que la plupart du temps, les gens qui mettent pet friendly, ils s'attendent à voir un chien. La plupart des gens qui voyagent avec des animaux, ils voyagent avec un chien. C'est très rare. Les gens voyagent avec des chats. Je m'assure toujours au préalable que c'est permis. Mais là, j'avoue que j'ai décidé de prendre un risque. Et ça, c'est uniquement sur mon dos et j'en assume toutes les conséquences. Sur l'annonce, ce n'était pas écrit que les animaux ne sont pas acceptés.
mais ce n'était pas écrit non plus qu'ils le sont. Il n'y avait absolument aucune mention d'animaux. Alors, je me suis dit, je vais prendre une chance, je vais l'amener, et vu que c'était une entrée autonome avec digicode, je me suis dit, ils s'en rendront probablement même pas compte. Si jamais je reçois un message qui me dit, hey, en passant, on a su que vous aviez amené votre chat et c'est pas correct, bien, je vais dire, OK, je le ramène chez moi et c'est fini là. Moi, je veux pas de problème et je n'aurais jamais osé faire ça si je n'étais pas dans ma ville. Je suis très près de chez moi. C'est facile pour moi de reprendre Mary et de le ramener à Lévis si jamais il y a un problème. Je voulais pas l'amener non plus aujourd'hui parce que je savais que j'allais être absente pratiquement toute la journée du matin jusqu'au soir vu qu'on partait à 8 heures pour Drummondville. Je reviens ici et je repars tout de suite après pour aller souper avec mes amis à Lévis, à la Piazzetta. Et je vais seulement être de retour vers 22h ou 23h. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le ramener en revenant du restaurant. Et là, il passera sa première nuit dans le loft. Alors, j'espère qu'il va aimer. Et j'espère qu'on n'aura pas de problème. Mais honnêtement, je suis pas trop inquiète. Tu sais, j'irai pas en prison pour ça, là. Alors, je prends mes risques. Ne faites pas ça à la maison. Alors, pour commencer mon séjour, je vais aller me chercher une bonne pizza parce que juste en face d'ici, il y a un restaurant de pizza où elle est vraiment très bonne. Ça fait plus de 25 ans que ce restaurant existe et avant, ça s'appelait Pizza Mag et ils ont changé le nom à leur 25e anniversaire. Maintenant, ça s'appelle Mille et Une Pizza et c'est juste en face de la gare du Palais et c'est vraiment très très bon. Je mange pas souvent de la pizza, je suis pas une personne à pizza comme telle, mais c'est un des bons restaurants qui est pas très loin d'ici et ça fait très très longtemps que je suis pas allée. Je vais aller checker leur menu en ligne, j'aimerais bien profiter des lieux, alors je vais carrément aller me chercher une pizza to go et je vais la ramener et la manger ici. Alors, on va regarder le menu. Il y a une pizza. Une pizza de A à Z. Calabraise, saucisson calabraise, canard confit, non. Chèvre. C'est de la hawaïenne ou crémeuse au bacon? Crème, oignon, fromage suisse, bacon et poivre. Faut prendre quelque chose de différent qu'on prend jamais, là. Chèvre et pistou. Fromage de chèvre et pesto. Wow, ok. Croque monsieur, je sais pas, là, ils ont beaucoup de choix, hein? Wow! Y'a pas avec de l'ananas? Je suis tentée par la bleue, mais il n'y a presque rien dessus, à part du fromage et des tomates. Mais un peu plus de jaune, chèvre et pesto. Ça aussi, dans le fond, il n'y a pas grand-chose. Il y a tomate, oignon, pesto, fromage de chèvre et basilic. J'avoue que le basilic, le pesto, le fromage de chèvre... Ouais, je pense que ça pourrait être ça. Chèvre et pesto ici. C'est bon, ça. 10 pouces, peut-être? Moi, tout seul, ben, y a pas de jour, là. J'essaie, j'en apprends. Alors, pour une 10 pouces, c'est 25$. C'est assez gros, une 10 pouces? On prend une 12 pouces. Une 12 pouces. Une 12 pouces, c'est 33$. C'est pas de la Domino's pizza, ça, là. La pizza fancy. Alors, pour emporter. On va aller le chercher dans une demi-heure. Parfait. Quoi les options? Ah, on peut rajouter. Ah, on peut mettre des extras. Oh, ben là, on va se faire plaisir. Alors, des olives vertes. Des patates. Non, pas de patates. Des carottes.
On peut-tu mettre des ananas là-dessus? Attends. C'est ma fête aussi. Me fait plaisir. Des ananas, olives vertes, champignons. Champignons forestiers. Ouais, ça va coûter cher. Est-ce qu'on peut rajouter des olives noires? Non, je garde les vertes. Des poires. On y va pour les poires? Let's go! On y va la totale, là, c'est ma fête, let's go! Mon frère, c'est quoi, là? Cette personne débile qui a fait cette commande. Des épinards en plus, ah ouais. Là, j'ai comme 15$ d'extra, là. Je pense que c'est correct. Oh, du bacon! Comment ne pas mettre de bacon? Oh, ils ont du prosciutto! Ouais, ça va être bien meilleur avec bacon. Ouais, ça va être très bon. Je vous rappelle notre commande, c'est une pizza chèvre et pesto avec extra bacon, ananas, épinards, olives vertes, champignons forestiers et poires. Ça va du tout fitter, sa pizza. Y'a-t-il d'autres choses? Oui, on peut rajouter d'autres sortes de fromages en plus. C'était déjà du chèvre. On va rajouter de l'emmental. Ça va être très bon. Je suis rendue à 60$. La pizza. Oh, et on choisit de sauce. On garde la sauce qu'on a là, là. Pas besoin d'autres sauces. C'est assez, là. Autre. 4 coriandres. De l'ail. Oh, je pense qu'on a assez de goût là-dedans, là. Ça va-tu être bon? Ok. Tu ne veux pas m'avoir dans ta cuisine. Bon, ben, ça va être prêt dans 20 minutes, les amis. On va s'habiller et on va chercher ça tout de suite. Ouh, je commence à avoir faim, il est presque 8 heures. La facture totale avec les taxes et un tip de 15%, c'est 79,71$. Salut, la bonne. C'est ma fête, les gars. Non, parfait. Comme on va seulement à l'autre bord de la rue, ben je mettrai pas mon manteau d'hiver au complet, là. On va se contenter de ça, ça devrait aller. Pancho, tu vas nous attendre ici? Yeah! Et regardez, on a même notre propre sortie privée. Avec un mini patio extérieur. Et non, je n'ai pas besoin de clé, il suffit de se rappeler du code. Faut pas que je m'oublie le code par contre. Vous savez à quel point que j'ai pas une bonne mémoire, mais non, quand même, j'ai pas envie de me retrouver enfermée dehors par ce froid, donc je me souviens du code. Alors regarde, si c'est cool! J'habite dans la gare. Je capote, c'est malade. Regarde, regarde. Je suis chez moi. J'habite à la gare du Palais. Bienvenue chez vous. Et maintenant, je rentre chez moi, à la gare. Ça sent vraiment très bon. J'ai vraiment très hâte d'essayer ça. Regarde. C'est nous. J'en viens pas encore. Je m'en vais chez moi, à la gare. Ah, c'est complètement fou. J'habite à la gare du Palais. Cette pizza sera gargantuesque.
Alors, voyons voir. Vous êtes prêts? Ouverture. Ceux qui n'ont jamais vu le commandant 1. Ouh là là! Wow! C'est garni, hein? Alors, on vous rappelle ce qu'il y a dessus. On va le mettre sur l'écran. Parce que moi-même, je ne me souviens pas de tout. Wow! Magnifique! Ça est bien chaud en plus. On va se régaler. Il y a tellement de stuff là-dessus! C'est garni! Je suis fière de mon œuvre d'art. Oh wow, les poires, ça amène une fraîcheur quand on croque dedans. C'est vraiment spécial. Si tu as jamais fait des poires sur une pizza, je vous le conseille vivement. C'est quelque chose à faire dans une vie. Et tiens, Panchou, je t'ai amené une petite pointe à ta taille. Ah, merci. Wow. On va déguster ça. J'ai jamais mangé une aussi bonne pizza, Marie. Wow, ça sent bon! Alors nous, on va relaxer, on va manger, on va se détendre. Et on vous retrouve demain pour une petite excursion en train. Bien intéressante.